Vous savez combien, chers téléspectateurs, au cours des derniers mois, la Turquie a occupé les premiers plans de l'actualité, hein, du fait du coup d'État, des événements de Syrie, etc. Il m'a donc paru intéressant et opportun de revenir sur une séquence bien particulière de l'histoire turque, puisqu'il s'agit de l'histoire des janissaires, ce corps d'élite militaire qui a accompagné la conquête ottomane, hein, corps d'élite dont on sait qu'il présentait un aspect bien particulier puisqu'il était composé d'enfants chrétiens enlevés à leur famille, instruits dans la foi musulmane pour devenir les serviteurs fanatiques du sultan. Alors il faut, pour se pencher sur cette question, qui occupe toujours une place éminente dans la mémoire nationale turque, hein, bien sûr, il faut d'abord rappeler le contexte général de l'apparition de cette troupe un peu particulière. Les Turcs ottomans, ils sont issus d'une population turque arrivée d'Asie centrale en Anatolie au cours du XIIe siècle, et ils vont se poser en fait en successeurs des Turcs seldjoukides qui les avaient précédés à la fin du XIe siècle et qui avaient constitué le sultanat de Roum en Asie mineure au détriment de l'Empire byzantin. Ces Ottomans, ils appartiennent à un clan à l'origine, cette dynastie appartient à un clan qui descend d'un certain Ertogrul, dont l'un des fils Osman a donné son nom à la dynastie. Et ils vont connaître une expansion continue dans l'espace anatolien au cours des conflits qui se déroulent notamment au XIIIe siècle, et Osman va avoir un fils, Orkan, qui va comprendre la nécessité pour lui de se doter d'une armée d'un type nouveau et notamment d'une infanterie efficace, ce qui était nouveau pour les Turcs qui jusque-là appartenaient au monde de la cavalerie des steppes. Or, cette cavalerie d'archers, très mobile, pouvant jouer de la surprise, elle était évidemment assez inopérante quand il s'agissait de livrer de grandes batailles rangées, quand il s'agissait d'assiéger des villes, principalement. Et donc, le vizir Alaeddin Pacha reçut d'Orkan la mission de constituer une armée permanente, soldée, régulière, qui devait entre autres affronter les mercenaires catalans qu'avait embauché l'Empire byzantin qui continuait la lutte contre ces nouveaux venus ottomans. Au début, l'expérience ne fut pas véritablement concluante parce que, je l'ai dit, la tradition turque, c'était avant tout les chevauchés dans la steppe, hein, une armée de fantassins disciplinés, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Cette armée permanente, peu efficace en plus, elle va coûter cher, il faut prévoir donc le paiement régulier des soldes, il faut prévoir l'encasernement des troupes pendant les périodes de paix, tout cela ne démarre pas de manière véritablement efficace. Et devant cet échec, un conseiller d'Orkan, Kara Halil Çendereli, va suggérer une idée apparemment un petit peu surprenante, c'est de constituer une milice formée d'enfants chrétiens, issus des peuples vaincus, des enfants chrétiens qui seront enlevés suffisamment jeunes pour être instruits dans la foi musulmane, recevoir une éducation militaire rigoureuse et constituer une milice donc particulière au service du sultan. Alors, la dimension religieuse de l'affaire n'est pas négligeable, puisque les inspirateurs de tout cela, ce sont des derviches, hein, les derviches Bektashi, dont le maître spirituel, Hadj Bektash Veli, va être le véritable inspirateur de cette milice d'un genre un peu particulier. C'est lui qui va leur donner leur nom à ces janissaires, hein, à partir d'un nom turc, Yenicheri, qui veut dire les nouvelles troupes. Eh bien, cette
cette nouvelle troupe, elle va se mettre au service donc d'Orkhan, qui se proclame sultan des conquêtes, combattant de la foi, et qui va disposer ainsi d'une force militaire redoutable, un siècle avant que Charles VII en Occident ne constitue ses compagnies de francs archers, qui formeront la première unité militaire régulière d'Occident. Eh bien, un siècle avant, dès 1328, les janissaires sont créés et constituent le premier corps de métier, en quelque sorte, de l'époque moderne. Alors, cette milice des janissaires, cette odjak, pour reprendre le terme turc qui la désigne, c'est un ordre à la fois religieux et guerrier, à certains égards, qui peut rappeler ce qu'ont été les ordres militaires chevaleresques chrétiens du Moyen-Âge, des siècles précédents. Un ordre, un corps de combattants encadré par les derviches Bektachi, et cela durera tout au long de son histoire, qui va devenir un redoutable outil militaire pour accompagner l'expansion ottomane, et allant de pair avec l'expansion ottomane, évidemment, l'expansion musulmane, cette nouvelle poussée islamique, après celle qui avait conduit les cavaliers arabes au 7e et 8e siècle, depuis l'Atlantique jusqu'aux portes de l'Inde, l'Empire ottoman, à partir notamment des 14e, 15e siècles, devient un élément de puissance considérable dans la géopolitique de la Méditerranée et de l'Europe du Sud, et les janissaires vont jouer un rôle tout à fait décisif dans cette affaire. Il s'illustre pour la première fois à Philocrénée, hein, en taillant en pièces la cavalerie byzantine de l'empereur Andronique III, qui venait se porter au secours de la ville de Nicée, sur la côte d'Asie mineure, assiégée donc par les Ottomans. Premier succès. Après cela, l'Asie mineure, l'Anatolie, tombe complètement sous la coupe ottomane dès la première moitié du XIVe siècle, et désormais, les conquérants ottomans vont pouvoir tourner leur regard vers l'Europe. Dès 1356, la presqu'île de Gallipoli va tomber sous leur contrôle. L'Empire byzantin est complètement sur la défensive, dans des conditions ô combien difficiles. En 1362, c'est la ville d'Andrinople, Edirne pour les Turcs, Andrinople en Thrace orientale, qui tombe aux mains des conquérants et qui va devenir pour un temps la capitale ottomane, qui se trouvait en Asie mineure à Brousse jusque-là. Et puis les succès se confirment en 1363 sur les rives de la Maritsa en Thrace également. Eh bien, une coalition de princes chrétiens, valaques, hongrois, serbes va être défaite par les Ottomans, par les Turcs et les janissaires, la nouvelle unité qui est engagée au sein de l'armée ottomane, prennent une part décisive à la victoire. En 1386, on les envoie faire la police dans l'est de l'Anatolie. Les princes turcs de la région de Karaman se sont révoltés. Ils vont mettre bon ordre à tout cela. Et le sultan Mourad Ier va pouvoir être certain maintenant de la soumission complète de l'Anatolie, qui constitue évidemment ses arrières par rapport à la conquête de l'Europe du Sud-Est qu'il a engagée. On le sait, quelques années plus tard, 1389, le fameux 28 juin 1389, c'est la bataille de Kosovo, qui voit la défaite du roi serbe Lazare, qui voit la Serbie tomber pour cinq siècles, pratiquement sous le joug ottoman. Et lors de cette bataille de Kosovo, les janissaires, là aussi, jouent un rôle décisif. 6000 janissaires vont résister aux charges furieuses de la cavalerie serbe et garantir la victoire du sultan Mourad Ier, même si celui-ci, on le sait, est tué à l'issue de la bataille. Cette victoire inquiète beaucoup en Occident, et notamment la papauté, le pape de Rome, qui va lancer un appel à la croisade, qui va réunir autour du roi de Hongrie Sigismond de nombreux chevaliers, notamment des chevaliers français, et cette croisade va se mettre en marche en 1386. Pour aller tenter de chasser justement les Turcs d'Europe,
Tout cela va se terminer très mal en septembre 1396 à la bataille de Nicopolis, hein, puisque le sultan Bayezid Yildirim, Bajazel la foudre, Bajazel l'éclair, va l'emporter sur la chevalerie occidentale. 30 000 janissaires vont soutenir le choc de la chevalerie chrétienne, hein, qui charge comme elle a chargé à Crécy, à Poitiers, comme elle le fera à Azincourt quelques temps après. Mais ces fantassins solidement organisés vont réussir à contenir le choc. On verra là des noms parmi les plus célèbres de la chevalerie française, le maréchal de Boussicault, le jeune prince bourguignon Jean, qui sera le futur duc Jean sans peur, qui sont engagés lors de cette bataille. Mais là encore, la chevalerie a péché par présomption, s'est lancée trop vite en avant, n'a pas attendu le soutien des fantassins hongrois, et au bout du compte, eh bien, elle va être finalement vaincue, et le roi de Hongrie, Sigismond, va repasser le Danube en abandonnant ses alliés à leur sort. Les janissaires ont payé un très lourd tribut. Sur 30 000 qui étaient engagés, 10 000 sont morts pour assurer la victoire. Un tiers donc de l'Odjak des janissaires a péri. Bajazet, bien sûr, est furieux. 3 000 prisonniers seront décapités. Et l'on voit qu'à ce moment, en cette extrême fin du XIVe siècle, il y a une menace terrible qui pèse sur l'Europe. Mais un événement inattendu va permettre à celle-ci de gagner du temps, si l'on peut dire. C'est l'irruption en Asie mineure de Timur Lenk, Timur le Boiteux, que nous connaissons sous le nom de Tamerlan, qui tente de reconstituer l'empire mongol de Gengis Khan, qui s'est emparé d'une bonne partie de l'Orient et qui va venir affronter les Turcs ottomans en Asie mineure, à Angora, l'ancienne Ancyre que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Ankara. Alors c'est un choc décisif, hein. Tamerlan a laissé derrière lui des villes complètement détruites, des pyramides de tête à Alep, à Damas, à Bagdad. Il massacre les défenseurs qui refusent de se soumettre. Donc c'est une bataille décisive qui est livrée en juillet 1402, donc à Angora. Les Turcs sont à un contre 5, mais a priori sont beaucoup mieux organisés. La bataille commence plutôt dans de bonnes conditions. Hein, les alliés serbes et croates du sultan avancent contre les ailes de Tamerlan, mais prudent, Bajazel les fait se replier, et à ce moment-là, Tamerlan attaque. Tout cela va créer du désordre, va susciter de la panique, et au bout du compte, la bataille se termine par un échec, par une défaite des Turcs. Là encore, les janissaires ont tenu leur rang, ont tenu leur rôle. Il n'y aura pas un seul survivant sur les 10 000 qui avaient été engagés. Et ils gagnent là une réputation de courage fanatique. Hein. Après Nicopolis, Angora contribue à fonder le mythe de ce corps d'élite de l'armée ottomane. Heureusement pour les Turcs, l'empire de Tamerlan va rapidement se fragmenter. Mourad II va reconstituer les forces ottomanes au cours des décennies suivantes, ce qui permettra à Mehmed II, le conquérant, de reprendre l'initiative et de se relancer à la conquête de l'Europe. Hein, il remporte en 1444 la victoire de Varna, et à cette occasion même, on a une situation tout à fait intéressante, c'est que les janissaires vont bloquer le sultan en arrêtant, en liant les pattes de son cheval pour l'empêcher de fuir, parce qu'ils veulent absolument qu'il demeure, qu'il tienne la position face aux Roumains et aux Hongrois qui lui sont opposés, et finalement les Turcs l'emportent, le roi de Hongrie Vladislav est tué et perd son étendard. C'est un échec, une défaite complète pour le camp
camp chrétien. Là encore, ce sont les janissaires, par leur constance, par leur solidité, qui ont assuré la résistance et la victoire. Bientôt, c'est la deuxième bataille de Kosovo, où les Turcs vont battre le Hongrois Jean Hunyadi. Puis en 1453, bien sûr, c'est l'attaque contre Constantinople. Hein, les précédentes avaient échoué. Eh bien, cette fois, c'est la bonne. Après trois assauts qui ont été repoussés, 12 000 janissaires vont se lancer à l'assaut des murailles. Une première vague va réussir à prendre pied sur ces murailles, va être rejetée, mais une deuxième vague va réussir à s'installer, à emporter les défenses. Le dernier empereur byzantin, Constantin Dragazès, est tué au combat et Constantinople tombe entre les mains de Mehmed II le Conquérant. Elle est mise à sac pendant plusieurs jours et va devenir désormais la capitale ottomane, va devenir Istanbul. Nous retrouvons les janissaires dans les combats ultérieurs de l'Empire, hein, à Belgrade. Ils luttent contre le rebelle albanais Skanderbeg. On va les voir au combat contre la Perse des Séfévides, notamment lors de la grande bataille de Chaldiran, qui va fixer le rapport de force entre Perses et Turcs pour un bon moment. L'initiative va être reprise avec Soliman le Magnifique au XVIe siècle contre l'Europe. En 1526, c'est le royaume de Hongrie qui s'effondre lors de la bataille de Mohács, et la pression ottomane va demeurer extrêmement forte, mais s'exercera aussi en Méditerranée. On connaît les épisodes de Malte et de Lépante. Hein. Et puis au XVIIe siècle, la crise de l'Empire dans la première moitié du siècle fait que les choses s'arrangent quelque peu, se calment quelque peu pour les Européens. À partir du milieu du XVIIe, en revanche, l'expansion ottomane reprend, mais là, un certain nombre de coups d'arrêt sont donnés au Saint-Gothard, la bataille du Saint-Gothard en 1664, à la bataille qui est livrée sous Vienne en 1683, c'est l'échec du siège de Vienne, et puis à Zenta, quelques années plus tard, le prince Eugène va infliger une défaite décisive. Là encore, les janissaires vont se sacrifier pratiquement jusqu'au dernier face aux armées des Habsbourg. Et puis ensuite, on va entrer dans la crise de l'Empire ottoman à partir du XVIIIe siècle. On sait comment celui-ci va devenir, selon l'expression qui accourt dans les chancelleries, l'homme malade de l'Europe. Et les janissaires vont prendre part d'ailleurs à cette crise. Ils ont une part de responsabilité. En effet, un certain nombre de sultans qui mesurent bien les archaïsmes ou les retards dont souffre l'Empire entendent le réformer, mais les janissaires s'y opposent. Parfois, ça se combine avec des revendications concernant leur solde ou tel ou tel avantage qu'ils réclament, mais ils sont également en liaison avec les oulémas, avec les sages musulmans, qui ne veulent en aucun cas voir adopter par l'Empire ottoman des réformes, des idées, des pratiques qui seraient celles, évidemment, des adversaires chrétiens. Alors, les janissaires, à plusieurs reprises, vont faire et défaire les sultans, ils vont obtenir des augmentations de soldes, ils vont obtenir qu'ils ne soient plus obligatoirement encasernés, ils vont obtenir le droit de se marier, à un moment donné, ils pourront même acheter leurs charges, hein, au bout du compte, on va assister à une dégénérescence du corps qui correspond un petit peu à la décadence ottomane, au point que le sultan Mahmoud II va être contraint d'en finir en 1826, le 15 juin 1826, pour répondre à une ultime révolte des janissaires, eh bien, s'appuyant sur des unités de l'armée qui sont restées loyalistes, le sultan va écraser la rébellion, va abolir, dissoudre le corps des janissaires, faire disparaître son nom même et toutes ses marques distinctive. C'est une histoire qui se termine donc de manière assez, assez tragique, alors que ce corps avait représenté, donc, comme je le disais, une unité d'élite, hein, tout à fait considérable. Hein. Au début, il y avait 10 000 soldats, il y en aura près de 120 000 à la fin, au moment de sa dissolution. Hein.
C'est un corps qui était pour l'essentiel constitué, je l'ai dit, d'enfants chrétiens enlevés à leurs parents. C'est surtout vrai ça au XVIe, XVIIe siècle, sachant que cet enlèvement n'était pas toujours forcément perçu comme quelque chose de négatif, parce que parmi ces enfants, ceux qui étaient les plus doués étaient destinés à constituer les cadres de l'administration ottomane aussi. C'est ainsi qu'on a eu souvent des Grecs, des Albanais, des Macédoniens, des Bulgares qui ont pu faire carrière à l'intérieur de l'administration ottomane. En tout cas, ces janissaires, ils ont été emportés dans la décadence de l'Empire, mais ils inspirent toujours l'armée turque d'aujourd'hui, et lors de cérémonies militaires, eh bien, on voit de nouveau défiler avec les uniformes de l'époque ces nouvelles troupes qui avaient tant contribué à la gloire des sultans. Major Colomb. Ben peut-être pas, parce qu'il n'est pas vraiment passé à la postérité, ou très peu. Même vous, Philippe. Eh bien, c'est un Belge. Et oui, c'est un Belge qui, au début de la guerre de 14, a eu l'idée, eh bien, quasiment d'inventer l'ancêtre du char, quoi. Disons, le char viendra un petit peu après. Une voiture blindée, une voiture de combat. Et il va former, à lui tout seul et quelques copains, une mini Panzer autonome belge. Alors bon, ça fait rigoler tout le monde, mais je vous assure que cette histoire est incroyable. Alors, on est en 1914, et le haut commandement militaire se dit, il nous manque quelque chose qui soit protégé, où les hommes soient protégés, mais qui soit mobile, qui soit rapide. Et le major Colomb dit, ben moi j'ai une superbe belle voiture que j'aime beaucoup, qui est une Minerva. On va la blinder, je vais rameuter quelques copains et on va se faire une mini Panzer à nous tout seuls. Et c'est ce qui va se passer. Alors ils sont tous riches, branchés, gays, ça va être une bande de copains incroyable. Alors beaucoup d'aristocrates, beaucoup de gens qui avaient une belle fortune, qui étaient intéressés par les sports automobiles. Et ils vont venir à Paris, à côté du pont de Saint-Cloud, dans un atelier, pour faire le blindage de leur belle voiture. Alors ils prennent un châssis Morse en général, le moteur c'est les Minerva, mais chacun pouvait avoir sa propre voiture et ils font blinder ça et puis ils peignent des trucs dessus, enfin c'est personnalisé, et dessus ils mettent des armes bien sûr, un canon et puis léger, 37 mm et puis une mitrailleuse. Et les voilà prêts. Non, pas tout à fait, parce qu'il leur manque un uniforme, et comme c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'armée belge, ils vont se faire le plus bel uniforme qu'ils puissent imaginer en cuir noir chez Paquin, qui est le grand couturier de l'époque. Je vous dis qu'ils avaient de l'argent. Et les voilà prêts. Alors il n'y a pas que des aristocrates, il y a le jeune prince Baudouin de Ligne, par exemple, 18 ans, lui c'était vraiment allié à la famille royale. Il va se faire tuer très vite, le pauvre. Lui, il ne verra pas toute cette aventure. Mais il y a aussi des gens moins huppés. Il y a alors quelqu'un que j'adore qui s'appelle Constant le Marin. Alors lui, il fait 1m95, 130 kg, c'est un lutteur de foire, il sera même champion du monde de lutte, et c'est une grande gueule. Il y a à côté un délicat poète, Marcel Thierry, et puis il y a un communiste déjà avant la lettre, Julien Lahaut, qui va se faire remarquer à l'élection à l'installation de Baudouin sur le trône en 51, je crois, en criant « Vive la République !» et il sera assassiné quelques jours après. Mais on n'en est pas là. On sait pas trop quoi faire de cette mini Panzer, et tout d'un coup on dit au major Colomb, vous voulez en découdre, il y a une solution, allez donc donner un coup de main aux Russes, ils sont en difficulté dans les steppes. Et le major Colomb se dit, mais c'est une très bonne idée, parce que là maintenant la guerre est enterrée, c'est des tranchées, mes belles voitures elles servent plus à grand chose. Donc c'est parti, tout en disant, attention, on avait un contrat pour se battre en Europe, sur notre terre, on refait le contrat. Alors il y en a quelques-uns qui disent, non, la Russie, il fait trop froid, j'y vais pas. Ceux-là, on les appellera les cuisses frites, et puis les autres s'appelleront eux-mêmes les touristes. Je vous dis que c'est une bande de joyeux fêtards. Et ils ont un bon chien aussi avec eux. C'est un peu leur mascotte, il s'appelle Mitraille. C'était un bon gros chien rustique, et il va suivre
toute l'épopée, il retrouvera toujours, toujours cette bande de combattants, qui sont quand même des bons combattants, et ce chien va suivre jusqu'à un jour, mais je vous raconterai plus tard. Pour le moment, il faut qu'il traverse la France jusqu'à Brest, et on est en septembre 1915, là, et ils embarquent à bord d'un affreux cargo anglais, confort zéro, il fait froid, et ils vont jusqu'à Arkhangelsk. Et là, vraiment, 3 semaines de navigation épouvantable. La seule nourriture, c'est de la mélasse mélangée avec du biscuit de mer. Vous voyez, vraiment l'horreur. Heureusement, il y a beaucoup d'alcool à bord, comme dit, hein. Il y avait du pinard, donc ça allait. Ils arrivent en Russie. Alors, on a des textes sur ce qu'ils voient en arrivant en Russie. Et c'est très drôle, parce qu'ils disent, on voit au garde à vous une foule grisâtre, hirsute, l'air hagard, dans un froid glacial. Et puis nous, on ne savait pas trop quoi faire, alors ils se mettent à chanter la pire paillarde qu'ils connaissent. Et ils sont quand même 360. Alors, une paillarde flamboyante, les Russes ne comprennent pas, croient que c'est la Brabançonne, se mettent au garde à vous, et après, ils chantent eux-mêmes « Dieu sauve le tsar ». Fou rire général, et les voilà arrivés en Russie. Leur bel uniforme en cuir noir, ça ne suffit pas contre le froid, on leur donne des capotes fourrées, évidemment, il faut qu'ils soient bien, bien protégés, et ils commencent un long périple avec leur corps qui s'appelle AC, auto-canon mitrailleuse, et ils arrivent alors à Petrograd, ils font la bringue pendant 2 mois non-stop, le chien suit partout. Après ça, ils arrivent à Tsarskoïe-Selo pour rencontrer le tsar, qui est très impressionné par ces gentils belges qui viennent l'aider, impressionné par les voitures, il veut monter à bord d'une auto-canon mitrailleuse. Il n'y arrive pas parce que c'est assez difficile, et Constant le marin, avec son 1m95, le prend sous les fesses, le soulève en disant « Laissez-moi vous aider, Majesté ». Et on ne touche pas au tsar. Il manque se faire descendre par la garde privée du tsar, qui heureusement calme les choses. Et les voilà partis pour se battre en Russie. Alors ils vont se battre avec des Cosaques en particulier. Ils font des concours d'alcool. Les Cosaques gagnent d'une courte tête, mais les Belges tiennent bon. Et ils se battent bien, il y a des pertes d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, évidemment, c'est la révolution de 1917, et là, ça se gâte. Alors, ils regardent ça un peu en spectateur, ils ne savent plus très bien ce qu'il faut faire. Et l'ordre du gouvernement belge, c'est « Vous rentrez, on laisse les Russes se dépatouiller entre eux, vous rentrez, mais comme les routes sont coupées vers l'ouest, vous passez par l'est, et vous vous débrouillez, vous détruisez le matériel, vous détruisez les autocanons mitrailleuses, et vous rentrez par vos propres moyens. Moyen. En gros, débrouillez-vous. » Alors, ils sont assiégés dans un couvent orthodoxe, très embêtés. Ils ont détruit les autocanons. Ils ne savent plus trop quoi faire. Ils n'ont pas d'argent. Mais dans ce couvent, il y a des centaines de kilos de pommes de terre. Alors, vous allez me dire, des Belges avec des centaines de kilos de pommes de terre, ils font des frites. Eh bien non, ils ne vont pas faire de frites. Ils vont faire de la vodka. Parce qu'avec la vodka, on achète tout, y compris un train. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je ne garantis pas la qualité de la vodka, hein. C'est peut-être une boisson d'homme, hein. Mais en tout cas, avec ça, ils arrivent à avoir un train, à avoir un conducteur de train, et commencent la traversée de toute la Russie, toute la Sibérie, avec le chien. Malheureusement, au mois de mars 1918, de bons mitrailles qui profitent de chaque halte, et Dieu sait qu'il y en avait, pour aller faire un petit tour, un petit pipi, et voir s'il n'y avait pas une chienne sympathique et russe dans les coins, il arrive trop tard, et le train est en train de repartir, et il va courir sur 1 km derrière le train, et hélas, il va pas réussir à monter dans le train. Une pensée pour ce pauvre mitraille. En tout cas, il va leur arriver 1000 aventures sur ce chemin russe, sibérien. À un moment, alors ils rencontrent évidemment des bolcheviks partout qui leur font jurer qu'ils ne vont pas livrer des armes aux blancs. Ils n'ont plus d'armes de toute façon. Enfin, ils ont gardé une petite mitrailleuse parce que ça peut toujours servir, mais c'est tout. Et ils vont trafiquer à un aiguillage pour changer la direction du train qui était donné par les bolcheviks, et ils vont enfin arriver en Mandchourie et enfin à Vladivostok. À Vladivostok, alors arrivés de ces Belges un peu dépenaillés, ils vont être accueillis par un cuirassé japonais, complètement effaré de voir ça, qui va braquer ses projecteurs sur eux et leur jouer la Brabançonne. Et puis ils vont
vont prendre un bateau américain. Alors, sur le bateau américain, les Américains font de la gym sur le pont. Nos Belges, eh bien, ils boivent à l'intérieur du bateau. Ils vont arriver à San Francisco, après une traversée très agréable, ils sont très contents. Et là, succès fou, ils sont accueillis, mais à bras ouverts, parade, ils sont très contents, parce qu'ils n'ont pas fait grand-chose, finalement. Et les Américains disent, mais si vous êtes les premiers qu'on voit, c'est formidable, vous n'allez pas tout de suite aller à New York, on va vous faire faire des parades dans toutes les villes des États-Unis. Donc, ils traversent les États-Unis, comme ça, à coup de parade, de cocktails, ils se saoulent de plus en plus, ils vont vomir sur le tapis de Madame Vanderbilt à New York, qui finit par dire, bon, ben, c'est bon maintenant, hein, vous pouvez repartir, allez, continuez à vous battre. Et enfin, de New York, ils vont arriver à Bordeaux, et là, ils se disent, bon, ben, où est la parade, où sont les cocktails, l'alcool, les femmes, les bannières? Et là, il y a deux Français teigneux qui disent, la plaisanterie est finie, le corps est dissous, vous rejoignez l'armée normale, fin de l'aventure. Des voitures blindées belges pendant la guerre de 14. Mais quand même, quelle aventure, un tour du monde. Alors, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Annick Leskozek-Masson, qui est une professeure d'espagnol, agrégée d'espagnol, spécialiste de littérature comparée, et notamment de la littérature hispanique au XIXe siècle. Alors, Madame Leskozek-Masson vient de publier un ouvrage consacré à Ramón de Valle Inclán, grand écrivain espagnol, à la charnière de la fin du 19e siècle et du premier tiers du 20e, très peu connu, il faut bien le dire, en France, du grand public cultivé, mais qui n'en est pas moins un personnage tout à fait intéressant dans son époque, parce qu'il a eu un parcours tout à fait original, à beaucoup d'égards, comme nous allons le découvrir, et parce que, de plus, sur le plan littéraire, on peut le considérer comme un des géants de cette littérature espagnole de cette période. Alors, Madame Leskozek-Masson, d'abord, pourquoi cet intérêt pour cet auteur particulièrement, pour Valle Inclán? Quel a été le déclencheur de votre intérêt pour lui? C'est un auteur que j'ai découvert très tôt, lorsque j'étais étudiante. J'ai découvert notamment un court roman publié en 1904, Flor de Santidad, Fleur de Sainteté, qui est quelque chose de totalement original dans le cadre de ce qui pouvait se publier à l'époque en Espagne ou dans le reste de l'Europe d'ailleurs. C'est une sorte d'hagiographie à rebours, un récit d'une poésie intense, d'un lyrisme fabuleux, une langue magnifique. Et puis ensuite j'ai découvert aussi les sonatas. Et avec ce mélange d'emprunt à la littérature française de fin de siècle, on y retrouve du D'Annunzio, du Barbé d'Aurevilly, on y retrouve aussi de l'Oscar Wilde, de La vie conçue comme œuvre d'art. Enfin, c'est un monde totalement à part qui m'a fascinée, qui m'a séduite. Et donc, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur on retrouve là, bien sûr, la spécialiste de littérature comparée. D'ailleurs, je crois que vous avez consacré votre thèse à Valle Inclán, ce qui a entraîné la publication de la dite thèse pour le public aux éditions de l'Harmattan, je crois, au début des années 2000. Oui. Alors, cette fois, avec cet ouvrage publié donc aux éditions Pardès, dans la fameuse collection Qui suis-je, vous vous adressez évidemment à un public plus vaste. C'est un ouvrage d'initiation, en quelque sorte, à cet auteur espagnol. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord, rapidement, nous faire un petit survol de son parcours, de sa vie? Donc, il naît en 1866, donc en Galice, c'est à Villanova de Arousa. Et il va très vite
se consacrer à la littérature, alors que son père avait conçu pour lui une autre voie. Il avait commencé des études de droit à l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle, études qu'il abandonne à la mort de son père en 1890. Et là, il décide de se consacrer corps et âme à la littérature. Donc, c'est vraiment le type d'écrivain de l'époque, avec cette passion affirmé pour cet univers marginal qu'est celui de la littérature. Ensuite, sa formation se fait à Pontevedra auprès d'un érudit, professeur de latin, Jesús Muruais, dont le frère Andrés d'ailleurs était aussi poète. Et c'est là qu'il va approfondir sa connaissance de la littérature européenne et de la littérature espagnole. Après un court séjour à Madrid, il part pour le Mexique. Il dira qu'il part pour le Mexique parce que Mexique s'écrit avec un X. Donc on voit déjà le caractère un peu original et fantasque et provocateur du personnage. Donc là, il va travailler en tant que collaborateur à l'organe journalistique de la communauté hispanique, qui est El Correo Español. Il va y rester entre 92 et 93. Il doit quitter précipitamment le Mexique suite à une affaire de duel à laquelle il est mêlé, parce que c'est un personnage aussi très ombrageux, un bretteur aussi. Et donc, il revient dans sa Galice natale. Il continue à approfondir sa formation d'écrivain. Et puis ensuite, il décide de venir à Madrid. Donc, il arrive à Madrid en 1895. À cette époque, il a publié surtout des articles, des contes, des nouvelles. Et il a publié notamment un recueil de nouvelles très inspirées par la littérature mondaine, par la littérature du roman mondain français. Donc, cet ouvrage s'appelle « Femeninas ». Mais il est déjà, il s'est fait connaître, hein, comme il est proche des milieux journalistiques, il est déjà accueilli comme un grand écrivain, avec l'emphase dont étaient capables les hommes de cette époque. Donc… Et ensuite, il va donc rester à Madrid pour cette carrière. On va le voir passer en France également en 1916, pendant oui. la guerre. Alors d'abord, ce qui va le faire connaître, c'est effectivement la publication des sonatas entre 1902 et 1905. C'est là que ces quatre courts récits poétiques sont considérés aujourd'hui comme un bijou de la prose moderniste, le modernisme étant le courant littéraire importé d'Amérique latine qui va s'imposer à l'époque. Il est monté à Madrid en quelque sorte en 1895, il y commence sa carrière littéraire. Ça nous renvoie à cette période, à 1898, la fameuse génération de 1898, illustrée par les Machado, Unamuno et quelques autres. Est-ce qu'il s'inscrit dans ce mouvement, dans ce cénacle des écrivains de la génération de 98, ou est-ce qu'il en est tout à fait indépendant ? Alors, cette appellation de génération de 98 sera postérieure. C'est l'écrivain Azorín, lui-même considéré comme un membre de cette génération, qui identifiera en quelque sorte effectivement cette génération-là. Cette génération. Qui ne s'est pas posée comme telle où elle s'exprimait. Ce n'est pas un cénacle, ce ne sont pas des personnalités qui se réunissent autour de quelque chose de commun, mais simplement c'est une sensibilité d'époque. L'Espagne, 98, c'est une date dramatique dans l'histoire de l'Espagne, puisque la suite d'une guerre avec les États-Unis, elle perd les vestiges de ce qu'avait été son immense empire colonial, un empire à l'échelle planétaire. Cuba et les Philippines. Et donc ce traumatisme généré par le désastre de Cuba va être à l'origine d'une prise de conscience par de nombreux écrivains, mais pas seulement, des intellectuels également, du mal espagnol, du problème espagnol. – Et de ce que doit être l'Espagne. – Et de ce que doit être l'Espagne, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de régénérer, de régénérer le pays. Et donc, mais alors sur le plan littéraire, ça se traduit surtout par une rupture
net avec les formes qui étaient pratiquées jusque-là. Mm-hmm. Dans le domaine du roman, le réalisme et le naturalisme mm-hmm. étaient toujours en vigueur. Mm-hmm. Et en 1902, par exemple, on voit apparaître, avec la Sonata de Otoño, plusieurs autres récits d'Azorín, d'Unamuno, de Baroja, qui vont promouvoir un type de récit beaucoup plus court, centré mm-hmm. sur un personnage... sur l'ego d'un personnage narrateur, un personnage souvent desengañado, désenchanté, désillusionné. Et donc, ce sont de nouvelles formes d'écriture et de vision du monde qui vont s'imposer, avec une critique aussi assez nette du monde en vigueur, du monde bourgeois, sclérosé. Ça s'inscrit un petit peu dans tout le courant décadentiste que l'on voit s'affirmer aussi dans certains pays d'Europe. Absolument, ça va être le cas pour Valle-Inclán avec la Sonata de Otoño, qui est vraiment un concentré de tous les ingrédients de la littérature décadentiste. C'est le cas aussi avec Baroja, avec son Camino de Perfección, Chemin de Perfection, et son personnage de Fernando Osorio, avec ce mélange de macabre, d'érotisme, de religion et de profanation, quelque chose qui était de nature aussi à scandaliser, bien entendu, le public. Alors, il y a une dimension qui apparaît intéressante chez Valle-Inclán, ce sont ses racines, en quelque sorte, galiciennes. Vous avez dit, il est né dans la province de Pontevedra, il mourra d'ailleurs à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Santiago, et il reviendra en Galice, et il est manifestement sensible à tout un héritage local, qui est tout à fait particulier en Espagne. Oui, bien sûr, au XIXe siècle, en Galice, comme en Catalogne, comme en Provence, il y a la résurgence des particularismes régionaux, la revendication de la langue régionale et des racines locales. Donc dans ce mouvement, le Resurgimiento, Valle-Inclán va bien entendu puiser intensément parmi les membres de ce les auteurs, les agents de ce renouveau. On trouve des écrivains comme Manuel Murguía et aussi son épouse, la poétesse Rosalía de Castro. Donc pendant les années de sa formation, il va être très proche de ces milieux. Oui, puis il y a dans cette Galice aussi toute une tradition. C'est un monde un peu de sorcière, c'est un monde avec des traditions folkloriques tout à fait étranges. Oui, c'est un monde celtique. Qui est un monde celtique un peu marginal par rapport à l'image qu'on se fait de l'Espagne. La Galice est verdoyante, elle est océanique, elle est pluvieuse, elle a des côtes très découpées, des rias, un petit peu comme les fjords nord. C'est ça. C'est une terre couverte de vignobles, c'est une terre très, très catholique aussi, avec ses chapelles romanes. Donc c'est un univers pétri de légendes, les histoires de fées, de sorcières, de lutins. – qui nous rappelle un petit peu le monde armoricain aussi, communauté celtique originelle. Alors, il y a une autre dimension chez Valle-Inclán qui est tout à fait intéressante et même un peu surprenante, je dois dire, c'est son attachement à une période, tout du moins, au carlisme. Il est l'auteur d'un cycle de romans, La guerre carliste, ça peut surprendre quand on voit un peu la physionomie, le profil du personnage qui apparaît comme une espèce d'artiste bohème quand on le retrouve à Madrid, qui plus tard, à l'époque de la République, entretiendra finalement d'assez bonnes relations au cours de la Seconde République à partir de 1931, qui lui fera une place d'ailleurs. Alors, comment expliquer cet attachement à la tradition carliste? Il faut peut-être rappeler d'abord ce dont il s'agit en quelques mots, ce qu'est le carlisme. – Alors le carlisme est un mouvement politique qui est né en Espagne à la mort du souverain Ferdinand VII. Au départ, c'est une sorte de crise successorale.
puisque le souverain n'ayant pas eu d'héritier mâle avait aboli la loi salique pour permettre à la fille qu'il a pu avoir juste avant de mourir, donc elle a 3 ans quand il meurt, de lui succéder. Et donc le frère du roi, Carlos María Isidro de Borbón, considérait que la couronne lui revenait. Et donc il refuse de faire allégeance à la nouvelle souveraine, ou en tout cas à la régente, sa mère Maria Cristina. Mais en fait, cette crise successorale ne suffit pas, bien entendu, à expliquer ce qu'est le carlisme, puisque le carlisme, c'est aussi une autre conception de la vie politique et sociale. C'est une conception traditionnelle de la monarchie. C'est une monarchie catholique, de droit divin, absolutiste. Donc c'est un retour à un type de société antérieur à ce que seront les monarchies parlementaires qui se mettent en place en Europe au XIXe siècle. C'est-à-dire tout ce qui est issu de la Révolution et de la philosophie des Lumières. C'est ça. Donc les carlistes sont por Dios, por la patria y por el rey. Pour Dieu, pour la patrie et pour le roi. C'est leur mot d'ordre. Et pour la Santa Tradition. Et la Santa Tradition. Alors, le carlisme, il va se manifester, bien entendu, sous une forme rebelle, sous forme de guerre, qui vont secouer à intervalles réguliers toute l'histoire du 19e espagnol. Il y aura trois guerres carlistes. La première, donc, après la mort du roi, entre 1833 et 1839. Qui s'interrompt avec un accord qui sera considéré par les carlistes les plus militants comme une trahison, l'accord de Vergara. Puis ensuite, dans les années 40, entre 46 et 49, si je ne m'abuse, là, ça sera en Catalogne, surtout, la guerra dels matiners, la guerre des madrugadores en Espagne, c'est-à-dire de ceux qui se réveillent, qui se réveillaient de bonne heure pour attaquer le camp adverse, c'est-à-dire l'armée officielle. Et ensuite, la dernière guerre carliste, entre 72 et 76, donc relancée par le petit-fils du premier prétendant au trône, Charles VII. Le Don Carlos du roman de Pierre Benoît. Exactement. Et qui avait sa capitale à Elizondo. Sa capitale à Estella. À Estella de Navarre, mais il avait une résidence aussi à Elizondo. J'ai vu que Valier Inclán a séjourné également. A séjourné, et où Baroja avait à proximité une propriété là. Alors ce carlisme, donc, on voit là un mouvement réactionnaire, entre guillemets, traditionnaliste. Oui, au sens où il réagit par rapport à quelque chose qui va modifier. On a du mal à suivre là le lien entre un profil comme celui de Valier Inclán et puis ce courant-là. Alors, peut-être, pour le dire le plus simplement possible, faudrait-il rappeler que Valier Inclán, de par son côté fantasque, attaché aux légendes, est quelqu'un de profondément traditionnaliste, et que le carlisme pourrait apparaître comme une sorte d'épiphénomène dans l'histoire de la tradition. Disons que ce serait la résurgence historique de la tradition au XIXe siècle en Espagne. C'est un attachement plus spirituel que politique à proprement parler. Alors il y a eu aussi une adhésion politique à un moment donné. Il est fasciné par les valeurs du carlisme, en ce sens que ce type de société féodale, patriarcale, rurale, cette forme de pérennité que supposait ce monde un peu médiéval, qui était aussi comme cela, comme la façon dont il voyait sa Galice, c'était ça qui le fascinait. Et donc, il a 10 ans quand la dernière guerre carliste s'achève. Et donc, son enfance aura été tout de même pétrie de ces récits de guerre. Il restera effectivement toute sa vie très attaché à la tradition. Et il va adhérer au parti carliste parce que, à l'issue de la guerre, le carlisme, qui avait été jusque-là un mouvement guerrier assez belliqueux, va devenir un parti, un parti qui va participer de la vie politique d'alors. Donc il va adhérer
publiquement et affiché en tout cas publiquement son adhésion au carlisme, ce qui lui vaudra un certain nombre de rejets, de critiques, évidemment, c'est très politiquement incorrect à son époque de s'afficher. Alors, il y a peut-être une dimension qui le retenait aussi dans le carlisme, c'est le souci des autonomies régionales. Oui, parce que le carlisme avait remis à l'honneur le système des fueros, c'est-à-dire de ces franchises locales qui donnaient un certain nombre de droits dans le domaine juridique et dans le domaine de l'administration. Notamment dans des régions à fort particularisme que sont la Catalogne, la Navarre et le Pays Basque, et certaines régions de Galice, quoique la Galice soit un petit peu plus modérée sur ces postures. Alors il y a un autre élément également intéressant dans son parcours, c'est sa relation avec le Mexique. Oui. Il va se rendre à deux reprises, je crois, dans ce pays. Manifestement, il accorde une importance à cette expérience. Absolument, au point de consacrer un roman à l'évocation du Mexique sous sa forme dictatoriale. Oui, c'est le tyran. Le Tirano Banderas, publié en 1926. Ouais. Le premier séjour, effectivement, au Mexique lui avait laissé un souvenir impérissable. Mm-hmm. Et puis il sera invité en 1921 par le président Álvaro Obregón pour la célébration commémorations du centenaire de l'indépendance. De la guerre d'indépendance. Ouais. Et alors, il y a un autre point intéressant le concernant, c'est son attitude vis-à-vis de la France. Il va venir en France en 1916, alors que nous sommes en pleine guerre. Et durant cette Première Guerre mondiale, à la différence en général des élites espagnoles qui sont plutôt favorables par hostilité aux anglo-saxons, aux empires centraux, lui, il sera très favorable à la France et aux alliés. Oui. Comment est-ce que l'on peut expliquer cette attitude ? Une admiration sans borne pour la France, la littérature française. C'est ça, il y avait une proximité intellectuelle. Et puis un rejet du monde germanique qu'il voyait soit comme un monde païen, lui, catholique quelque peu ultramontain, soit comme une nation païenne, en quelque sorte. – Parce qu'il voit dans la France une nation catholique aussi, dans une large mesure, ce qui n'était pas franchement le cas à l'époque, puisqu'il y avait eu la rupture avec le Vatican, la séparation. – Excusez-moi, je voulais dire, il voyait l'Allemagne comme une nation païenne, ou alors comme une nation protestante. Dans les deux cas, cela renvoie à son catholicisme. Et quelles sources d'inspiration il avait trouvées en France, chez nos écrivains, dans notre capitale littéraire? Qu'est-ce qu'il avait beaucoup particulièrement impressionné? La littérature fin de siècle dont on parlait tout à l'heure et ses précurseurs comme Barbey d'Aurevilly. Il avait lu Villiers de l'Isle-Adam. Il avait lu bien sûr Victor Hugo et puis les poètes symbolistes, Verlaine. Votre allusion à Barbey d'Aurevilly effectivement est très révélatrice quand on voit un petit peu le profil du personnage avec son côté tout à fait original, sa mise également un peu particulière. Le côté dandy. Des cheveux longs, habillé un peu n'importe comment. Une sorte de druide, avec son binocle également, parce qu'il rappelait le portrait de Quevedo. Effectivement, c'est quelque chose qui rappelle un peu, comme vous le dites, le côté un peu dandy, cultivé. Surtout dandy, beaucoup plus dandy que bohème d'ailleurs. Oui, d'accord. Beaucoup plus dandy que bohème. Dandy avec cette posture baudelairienne, toujours rebelle. Il y a une fascination chez Vallenclan pour tout ce qui est rebelle. Ce qui explique aussi son adhésion au carlisme. Quand on pense à tous les chefs de guerre. Une volonté d'originalité, ça nous renvoie à l'œuvre de Barbey d'Aurevilly qui nous renvoie à la chouannerie normande. Exactement. De l'époque de la Révolution, évidemment. Alors, cette œuvre de Vallenclan, en revanche, comment est-elle
reçue en France? Comment a-t-elle été reçue? Et est-ce que nous avons aujourd'hui des traductions qui sont disponibles? Oui, elle a commencé à être traduite de son vivant, de manière assez marginale quand même, il faut bien le dire. Vanyekla est un écrivain très indépendant, qui va d'ailleurs pendant longtemps publier lui-même ses propres œuvres, étant donné le caractère très insatisfaisant de l'édition espagnole à l'époque. Donc ensuite, la recherche de traduction à l'étranger, il va souvent lui-même l'opérer par ses propres efforts. Et donc, les sonnes, c'est le consul de France Jacques Chaumier qui sera un des premiers à le traduire, notamment à traduire une des comédies barbares. Chaumier qu'il avait rencontré à Madrid à l'époque où celui-ci était consul. Et cela dès avant 1914. Oui, exactement. Et c'est grâce à Chaumier également qu'il viendra en France en 1916, au moment Je me souviens que c'est un voyage qui est remarqué, parce que je me souviens, je crois que c'est dans le miroir ou l'illustration, on a un petit texte avec une photographie de Vanyekla présentée comme une personnalité d'importance arrivant en France. Donc, où il est accueilli d'ailleurs par l'ancien secrétaire de Charles VII, l'ancien secrétaire particulier Francisco Melgar, ce qui prouve qu'il avait toujours gardé ses accointances avec certaines personnalités du carlisme. Alors, il va disparaître en 1936, il ne connaîtra pas la guerre civile. Il a été opposé au régime du général Primo de Rivera dans les années 20. Il a eu même fait un petit séjour en prison, mais très court. Et puis ensuite, la République va lui confier des responsabilités à Rome. Mais en fait, la maladie lui imposera de revenir en Galice, où il mourra à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc en 1936. Eh bien, merci beaucoup, Annie Kloskoezek. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, « Vanyekla » dans la collection « Qui suis-je ?» aux éditions Pardès. –